C'est Sam de Bibiche pour la fresque. Qu'est-ce que je fais? Ah, je viens de te faire un double menton de la mort là. On m'était passé. Ils sont au combat ou se prélassent à l'azur. Chaque moment. C'est une jeune marque de lingerie qui existe depuis un an. Donc on a fait un concept assez simple. 5 formes de haut et 4 formes de bas avec un body. Et en fait, notre petit concept à nous, c'est de ne pas avoir de saisonnalité. On a une monocollection. Et grâce à cette monocollection, on peut apporter un prix juste. Ce qui nous différencie, c'est qu'on est un peu plus qu'une simple marque. On essaye de donner la parole aux femmes, les faire travailler sur l'acceptation de leur corps en leur disant que tous les corps sont beaux. C'est pour ça qu'on adopte une communication qui est un petit peu différente des autres marques de lingerie qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire des marques de lingerie qui mettent vraiment le corps de la femme dans un carcan très 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 limité, donc très sexualisé. Nous, à contrario, on va plutôt prendre des femmes du quotidien, des femmes qui n'ont jamais fait de mannequinat, parce que c'est pour elles qu'on fait de la lingerie avant tout. Du coup, pourquoi pas ne pas les mettre, elles, en lumière. Je viens du commerce, ensuite j'ai été barmaid, et puis j'ai repris mes études au bout d'un moment. Je bosse dans plein de boîtes différentes depuis l'âge de 16 ans, et petit à petit, je me suis rendu compte que mon petit kiff à moi, c'était de mettre en lumière des nouvelles marques. C'est un petit nom assez sympa qui était donné à la grand-mère de la créatrice, qui était une femme qui sortait beaucoup dans toutes les boîtes de Paris et tout le monde l'appelait Bibiche. Personne ne connaissait son prénom et c'est vrai qu'au final, on est tous la Bibiche de quelqu'un. On travaille tous ensemble. Les idées de tout le monde sont prises en compte. Donc on a la créatrice avant tout, Camille Houdet, qui a créé Bibiche un petit peu en sous-marin. Ensuite, on a le chef de produit, Florian. Et derrière, on a une équipe de modélistes, de commerciales, de tout plein de monde qui nous ont aidés avec tout leur cœur et toutes leurs idées à monter cette marque incroyable qu'est Bibiche. C'est une nana qui est décomplexée. Et qui décomplexe aussi ses copines parce qu'elle trouve que c'est important. Et c'est aussi une nana qui s'accepte et qui est très fun. On est toutes belles, qu'on n'a pas de défauts, c'est juste dans nos têtes. On peut toutes avoir de la lingerie qui nous va au quotidien et qui nous va aussi pour être sexy, aussi pour se sentir belle nous-mêmes avant tout. On veut que toutes les femmes se sentent des femmes et des femmes belles. Le message qu'on veut faire passer aux hommes passe par les femmes parce que si une femme s'accepte comme elle est, alors peut-être que ça pourra aussi changer cette vision trop sexualisée des hommes. Accepter la femme comme elle est et puis lui offrir de la belle lingerie. On va bientôt faire un pop-up au Citadium en septembre prochain. Donc venez nous voir, ça va être top. En collaboration avec une tatoueuse qui s'appelle Lèvres Rouges. Et on fait une récréation avec elle, très jolie. Et ensuite, conquérir le monde.